prépare des vélos, on refait entièrement des vélos. Ce vélo est un vélo Ironman qu'on a entièrement repeint et on est actuellement en train de le refaire. Mars 2021, nous avons ouvert un nouveau chantier d'insertion qu'on a appelé les Rayonnants. Donc là, l'idée, c'est de récupérer des vélos, les remettre en état et pour leur donner une deuxième vie, soit en les vendant, soit en les louant. Et on travaille aussi avec une société qui s'appelle T-Bike. Comme ça, c'est des vélos smooth. C'est des smooth qu'on récupère là-bas et qu'on démonte entièrement pour les remonter. Parce que derrière, il y a des vélos, il y a une tente de vélos. Et après, on en reprend et on essaie de les remonter de A à Z en fait. Vendredi 25 novembre 2022, dans les locaux du centre de formation des apprentis d'Auteuil de Brignoles, les encadrants, le personnel administratif et les apprentis ont fêté la journée de la réussite avec la remise de diplômes honorifiques remis par M. Gérard Mahé, directeur du centre. Aujourd'hui, donc, c'est la journée de la réussite. Depuis un peu plus de 10 ans, Apprenti d'Auteuil a décidé de mettre en avant des jeunes qui réussissaient aussi, soit en trouvant un emploi, soit en trouvant une formation. Parce que souvent, les jeunes qu'on reçoit sont des jeunes quand même très, très, très éloignés de l'emploi, qui sont très éloignés socialement aussi. Et nous, notre travail, dans un premier temps, c'est de les remettre, dans une vie sociale, qu'ils soient à jour dans leurs papiers, qu'ils aient un logement, qu'ils puissent vivre dignement dans un appartement. Et ensuite, on travaille un projet professionnel. Apprenti d'Auteuil, c'est toute la semaine. Donc au niveau national, dans toutes les maisons d'Apprenti d'Auteuil aujourd'hui, il y a la journée de la réussite.